Les dernières informations concernant Jeffrey Delisle démontrent que ses activités d'espionnage ont été découvertes grâce au FBI. Mais le ministre de la Défense refuse de prendre la responsabilité de cette lamentable fable de sécurité. Le ministère de la Défense et le SCRS n'ont pas suivi les règles. La cote de sécurité de Delisle aurait dû être révisée à une échéance de 5 ans. Ça n'a pas été le cas. Comment expliquer que la cote de sécurité niveau 3, top secret d'un officier qui a mis la sécurité de notre pays et de nos alliés à risque, n'ait pas été révisée à la date prévue? Madame la ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, je répète, le ministre de la Défense nationale toujours prend les précautions pour garder la sécurité nationale. Je viens d'informer la Chambre du fait que c'était une question que nous prenions très au sérieux. Tous les renseignements protégés nous tiennent à cœur. Les cours restent saisis de la question. Nous procédons à des examens réguliers des règlements, mais nous ne voulons pas en discuter ici.